Nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Cette description s'applique parfaitement à Jésus, le Fils de Dieu. Prions pour notre évêque Laurent, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. En tant
je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne, et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Que je n'ai fait, je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Et d'une lance, tu as percé le cœur de ton sauveur.